suis pas une pute, si je te suis, je le fais gratuit. Hey ! Oh, ça fait seulement 2 mois qu'on s'est pas vu, dis donc, ça passe vite, hein ! Et ce qui est pas mal d'ailleurs, du coup, c'est que j'ai une chier de choses à vous dire. Dans un premier temps, à l'espace de ces 2 mois, j'ai sorti 2 singles. Le premier se nomme Seul au monde, en featuring avec Masto, que je ne vous présente plus. C'est le son sur lequel j'ai passé le plus de temps en termes de mix de tous les sons que j'ai fait de ma vie, donc j'espère qu'il vous plaira. Et dans un second temps, suite à ce climat de paix et de tolérance en France qui traîne maintenant depuis bien trop longtemps, j'ai sorti une musique faite en une nuit qui se nomme Tolérance. Dans cette musique, je donne mon avis sur ce climat qui m'a personnellement pas mal pesé ces derniers temps. Également, on a presque dépassé les 30 000 abonnés sur la chaîne secondaire, et on a récemment sorti la première partie du let's play de Little Nightmare. Peut-être pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé, les let's play se feront désormais tous sur la chaîne secondaire. Je conserve cette chaîne principale pour les gros formats tels que les best-of ou les grosses vidéos concepts qui me prennent énormément de temps à réaliser. Car oui, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je fais tout seul, à l'exception de quelques prestats pour du graphisme pour lesquels je fais appel à des personnes tierces dans le cas où c'est hors de mes compétences ou que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Les uploads sont infiniment plus réguliers sur cette deuxième chaîne, donc pour ceux qui veulent régulièrement du contenu gaming, je vous invite à aller la suivre, vous devriez y trouver votre bonheur. Toutes les vidéos que vous y trouverez sont issues des live Twitch. Si jamais vous voulez un jour passer me faire un coucou, je suis régulièrement en live le soir à partir de 20h30. Vous avez ma chaîne qui s'affiche à l'écran et elle sera également disponible en description. Ce best-of est issu du let's play de The Last of Us, sorti il y a quelques mois sur la chaîne secondaire et qui regroupe les meilleurs moments de tous les épisodes. Si vous voulez voir les épisodes dans leur intégralité, ils sont tous dispo sur la chaîne secondaire Tonton KD. Également, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, je rappelle que vous pouvez rentrer le code créateur KD Vroom Vroom sur Fortnite, Rocket League et Genshin Impact, ainsi que lors de vos achats dans l'Epic Game Store. Et pour ceux qui souhaitent apparaître à la fin des vidéos, vous avez le Tipeee de la chaîne en description. Dernière chose, je voulais vous remercier pour votre accueil du tutoriel sur comment battre un Nightmare, qui m'avait pris une plombe à faire et qui vous a énormément plu. Ce format de vidéo n'est pas fini, il y en aura d'autres, c'est juste que ces vidéos me prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans la partie postérieure de cette vidéo. Et le mot du jour sera poupi, tout simplement parce que lui, elle est trop poupi. Mais je te jure, elle est tellement adorable, presque ça me... Bon visionnage à tous, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors j'ai pris ton argent, je suis parti en acheter une. Tu sais qu'alors le français j'avais eu 17. Elle m'a dit vous faites du théâtre? J'ai dit non, connasse. Elle est conne celle-là aussi. Si je fais du théâtre, je l'aurais dit dès le départ. Genre regarde, regarde mon zizi, il est géant. Je suis forcément bon, je fais du théâtre. Tiens, 3. Allez, à manquer sur ta carrière, connard. Du coup, j'ai rien dit. Vous faites du théâtre? Non, va théâtre. Même si j'en faisais, en vrai, je pense que j'aurais dit non. Genre, enfin, dans le sens que j'aurais dit dès le départ, non, j'en fais pas du tout. Parce que tu sais, t'arrives, elle te note bien et elle fait mais vous faites pas du théâtre? Et là, tu fais oui, j'en fais, ça a peut-être pu aider. Ah, mon ego de prof touché. Ah, 13. Tu vois ou pas? Tu vois, scénario, vous connaissez ça. Il a fallu que tout le monde ait la même putain d'idée. Ça, c'est du remake! C'est quoi ces voitures en carton? Alors, la première fois que j'ai joué au jeu, sachez que je suis décédé. Voilà, sur cette scène, je me suis fait bloquer par des persos random et je suis mort comme une merde. C'est quand même pas la. C'est quand même. En fait, la panique est tout autour de nous, sauf dans Joël. Joël, lui, ça va, globalement. Frérot, on dirait qu'on est en fuite, mais sur Mars, genre. Je suis mort là, c'est là que je suis mort comme une merde, je me rappelle! Je suis mort parce qu'il me rattrape, gros! Mais cours! Qu'est-ce que ça me vénère? Qu'est-ce que ça me vénère? Qu'est-ce que ça m'énerve? Cours! Personne court comme ça! Personne! Putain, gros, j'aurais une fille, je serais passé travers l'écran, frérot. C'est bon, vous pouvez passer. En fait, l'inclusion vide de sens. C'est-à-dire que si un perso de base, il est métisse, il est black, il est ce que tu veux, si tu fais une adaptation, tu le mets métisse ou black. Je comprends pas le truc de changer pour pas passer pour un raciste ou je sais pas quoi, mais ta gueule, bordel. Je comprends pas la démarche, mec. Je sais pas d'avoir une mécanique que j'ai pas capté, frère. Mais c'est un truc de fou, quand même. C'est pourquoi c'est pour dire aux gens racistes, hein, c'est pas bien ce que vous faites. Oui, ce sont des fils de pute. Et tu vas pas les changer en faisant ça ou pas. Ils changeront pas, mec. Moi, je suis un être éveillé. C'est pour ça que je me rends des pissenlits dans le cul. Ouais, ouais. Je me suis rendu compte que ça faisait du bien. Parce qu'en fait, mon cul aussi, il est vegan, eh ouais. Ok les gars, ça va être l'heure de mon aim sur PS genre. Ah. Ou toi oui, utilise tes balles, c'est bien. C'est pas du tir à la canette, tire dans les mecs. Oh là là, quelle conne. Oh mais le combat de débile, mais boah. Alors là, il est full à découvert hein. Arrête, me dis pas que tu le rates encore, bordel. Je l'ai câblé. Mais arrête de le rater. Non, gros. Mais c'est trop! Non mais mec, c'est fait exprès! Hein. Avance, avance! Ah, de me foutre la pression, pétasse! Qu'est-ce qu'il fait? Mais il se prend pour Assassin's Creed, lui! Qu'il est con, le pauvre! Bon, bonjour! Je suis de. Pardon, pardon, pardon! Si j'avais écouté ce que tu m'as appris, j'aurais tiré à côté! Ah non, là, l'espoir fait mourir même. Oh! Une feuille! Je vais pouvoir me torcher avec! On n'a rien du tout à se dire, putain! Cet homme est léant. Ton arme. Alors moi j'irai pas baiser mon arme. Allez, quand même. Faire ta gueule, connard. Je te baise. Bâtard. Bonjour, bonsoir. C'est Kenshi 9977. Elle fait quoi cette folle? Non. Il m'a hué tu. Où est-ce qu'on va? Et dans ton fion. On va vers le scénario et y a de l'action parce qu'on s'emmerde. Je vais te foutre des droites pendant que tu dors. Ta montre est cassée.
sans déconner, pétasse. Chef. Est-ce que vous aimez les gens qui répondent oui chef? Est-ce que quand quelqu'un répond oui chef, ça vous trigger? Ou est-ce que vous êtes indifférent, vous en avez rien à foutre aussi peut-être? On bat les couilles frère. Yeah! C'est exactement ce que je voulais. Je suis content de voir que le jeu a cerné mes besoins. Bonjour, ça va? Je passe ce qu'il s'est fait, ce que l'on appelle enculer sa mère. Yes! De quoi se mettre une caisse! On peut les saisir ou pas? Oh, méchante pute, va voir vers là-bas, avec ton gros tarpé là. Bon, ça va, heureusement qu'elle est conne. Visiblement, ce mur lui a très mal parlé. Tu parles pas comme ça de ma mère! Belle maman, elle est gentille! Et tu es gros, Joël! Désolé, hein, je sais le body positif, tout ça, mais merde! Ce n'est pas un avantage! Bonjour, ça va, fatin fatin? Tu sais, à l'époque, ils ont fait... Eh, hey, les gars, j'ai une petite idée, là. Vous savez, nos manettes, elles ont un truc pour détecter dans leur environnement et tout. Bah, venez, on fait un truc, genre, la lumière, elle sentit, c'est chiant, et du coup, ils doivent secouer. C'est rigolo, non? Oh, t'es rare, c'est une bonne idée. C'est pour ça qu'on devient la scène française, ah, parce que t'as que des idées de merde! Pas trop vite, hein. Dépêche-toi! C'est d'un confort que la bifo... Je le fais bien le claqueur ou pas, les gars? Pardon, pardon, les gars, c'est pas dans l'ordre. Joël, par ici. Tu veux pas parler plus fort, poufias? Claqueur. Mais heureusement qu'elle est là! Qu'est-ce que je ferais sans elle, en fait? D'accord, et donc par là, c'est quoi? C'est le chemin pour aller me faire enculer? Pourquoi créer ça, les développeurs? Expliquez-nous! T'as un truc sur ta chaussure. Ça lui a coûté un bras! En fait, les bonnes blagues, c'est comme la drague, c'est bien quand c'est léger. Si on pouvait faire... Merde. Ta gueule! Je sais pas comment on peut utiliser l'ultra instinct, mais en fait, j'y pense... C'est... Dégage ma porte! Culé de ta mère! Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... Il y a infiniment plus de détails que dans le premier. On fait quoi, maintenant? Faire... Oh, regarde comment j'ai visionné, toute petite! Hôtesse, tu es vivante, pétasse? Elle est morte. Je suis là! Vous me voyez ou pas? Coucou! Salut, ça va? Il voit vraiment pas, hein? Oh mec, cette animation ridicule. Et bah tu te démerdes et t'apprends! Selon moi et selon mon expérience en un peu moins de 25 ans, les gens qui sont value, genre mode, qui sont intéressants à écouter, etc., ils vont pas vous critiquer. C'est-à-dire qu'ils vont pas dire que vous êtes des grosses merdes ou des trucs comme ça gratuitement, en mode vous lâchez un commentaire qui pue la merde, vous dire un truc méchant gratuitement, etc. Ils font jamais ça! Ils ont pas le temps, frérot. Ils ont pas le temps. Ils ont pas ce temps à t'accorder, en fait. Ils ont pas le temps de te critiquer, frère. Ils ont autre chose à faire. Personne n'a vu à votre place, personne n'a votre expérience non plus. La personne sait ce que vous vivez tous les jours, ce que vous, je sais pas, ce que vous ressentez, qui vous traverse la tête, ce qui vous occupe l'esprit. Personne ne peut être 100% à votre place, personne ne peut être plus vous que vous, en fait. Donc vous êtes vraiment les mieux placés pour savoir ce que vous voulez. Salut, ça va? Tu veux boire un coup ou pas? Oh, viens là! Bah oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Oh, je veux que tu fermes ta gueule. Ok. C'est comme ça qu'on parle aux enfants, les amis. Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures? Parce qu'on peut pas, connasse. Bill? Non mais gros, Ellie, 14 ans, zéro muscle, est capable de parer à un claqueur, et Joël, il se fait toucher, il crève. Putain gros, qu'est-ce que ça m'énerve. Putain, t'as la tête dure, hein. Oh putain, Joël l'alcoolique. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Mais personne ferait ça, espèce de connard. We come to see Jesus Christ, hello, how are you? Oh, assurant, ça j'aime bien ça. Merci, petit Jésus. T'es vraiment un mec chic. Ah! Putain, elle m'a fait peur! Je suis venu, elle était retournée! Ok, les gars, je vous montre ce que c'est de one-shot un niveau. D'accord? Oh! Ta gueule! Tu vas te faire enculer, bâtard! Oh, mes chaînes te pétas, ce reste donne ton bled! Y'a moins de... Oh! Merci! Merci à finir, monsieur le... Mais... Là, je me suis trompé de sortie. Non. Non. Surtout, très attention. Alors, frérot, je sais pas quel chat ils avaient, hein, mais clairement, il avait un IMC excessivement élevé, hein. Qu'on se mette d'accord, là, c'est-à-dire que c'est pas une chatière, c'est un chenil. C'est pour faire passer, genre, une légion d'animaux en même temps. Oh putain, gros. En fait, c'est des gens de pylônes. Merde. Mais ta gueule! Frère, ils font tellement masse bruit. Et moi j'en fais tellement pas. Et je me fais tellement repérer. C'est. Arrête de faire du bruit! Mmh.
Va niquer ta mère. Je crois qu'on est tranquille. Ouais, vas-y, bah bon courage, Bill. Bah, en tout cas, c'était stylé de te connaître, hein. C'est pas vrai que je suis mort, c'est la faute de Bill, hein. Ok, ok. Bon, je pense qu'on ira plus vite de faire ça, hein. Bonsoir. Pitas. C'est bon, on peut y aller. Vite. Non mais surtout, sois égoïste, Poufia. Joël, tu vas où comme ça? Mais ferme ta gueule, je veux me soigner, connard. Salut, ça va? TG. Il est là, il est là, il est pas là, il est pas là, il est... Fils de pute! Oui, non, mais pas, c'est joli. C'est joli, quand même. Oh, bravo! T'as tiré une balle! Tu t'es pas fourré la cheville, peut-être! Fourré la cheville dans ton cul! Il en reste plus qu'un. Sérieux, je sais pas compter! Il m'en donne une claque! Oh, petite olive, là. Tiens. C'est quoi? T'imagines... Un ficello à se mettre dans le cul. Ellie, ça, c'est pour les adultes. Wouah! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Gigabuteur! Je veux comprendre pourquoi ça vous passionne. Ah, oh, mais j'aime te bite! Pourquoi les pages sont collées? Bah! Le voyou! Ah, good try, mec, vas-y. Donne tout. Dommage, parce qu'en fait. Wouah! Ah là là, est-ce qu'il y aurait pas un ennemi? Mais qu'est-ce que tu fais, Joël? T'es con comme un putain de balai! Sa capacité à être con comme une table me. M'exaspère. Elle me traverse. Chemin de traverse. C'est ça. Un peu mon prénom m'appelle. Putain, les gars. C'est quand même une bénédiction que vous soyez cons, hein. J'en ai connu des légumes, mais alors là, on est vraiment face à un store entier, hein. Où est-ce que t'es, raclure? Dans ton cul. C'est quoi ça? Un livre de blagues. Sans mauvais jeu de mots, volume 2, de Will Livingston. Allez, on avance. Non! Que dit un bol à une tasse quand ils sont tous les deux au bord d'un évier? Ta gueule! On va boire la tasse. Et que répond la tasse? Ouais. Pas de bol. Il perd des heures de sommeil. Je suis entré dans une écurie et j'ai marché sur un pantalon. C'était une culotte de cheval. Oh. Non, trop chaud, putain! Est-ce que tu sais quelle est la principale cause de divorce au monde de nos jours? Non, je sais pas, dis-moi! Le mariage. C'est nul. Enculé! C'est toi qui es nul. TG! T'es mort, on est mort de rire. Merde, Joël, c'est pas un fusil à pompe. Sans déconner, connasse! Vas-y, frérot, viens. Viens mettre un petit coup de bâton là pour voir. Ils sont quand même bien confiants, hein. Trouve-moi un truc pour m'aider à grimper, ok? On y va. Allez! Oh putain, tu t'es pris une pierre dans la... Oh! Les contrôles! Mais arrête de faire ça, bordel! Putain, mais quel con celui-là! Parce que du coup, moi, c'est un truc que je peux pas... La gueule, putain de bouffiasse, je parle! Connasse! J'ai pété un câble. Ah! Oh! Haha, je suis trop fort. Waouh. TG. Merci Ellie, t'es trop douce. Oh là là, on dirait mes testicules quand je les rase. Ah, c'est bizarre ça. Non. Non. Mais Joël, tu peux arrêter d'être con s'il te plaît. Ça fait bizarre, hein, connard. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Fils de... Mais gros mec, je crois que j'ai tiré gros à gauche de sa hanche à un pixel, frère. Nique ta mère. Mais nique ta mère, toi et ton mari, sale pute. Fils de pute. Oh. Quoi? C'est rigolo. J'ai pas pu sur F. J'ai oublié c'était F. T'as martelé. Ah, c'est vrai qu'il a fait genre. Ça me rappelle le cul de ma f...
J'étais comment? Nul à chier. C'est d'ailleurs pour ça que je m'épile les burnes, les amis. Je sais pas si vous aussi vous le faites. Prenez une petite pince à épiler là et poil de couille par poil de couille, faites tchka tchka comme ça là. Ah, petit kiaï là entre chaque épilation de burnes. Moi c'est ce que je fais. On va trouver une solution, d'accord? Non. Ne voyez pas ça en mode perspective de carrière à dire à papa maman. Moi maman, je vais lancer des lives sur Twitch et puis il y aura 100 personnes. Non, c'est impossible. Je vous le dis, voilà, je préfère briser vos rêves maintenant. Vous n'aurez jamais, et je dis bien. Tu vas la fermer ta gueule, l'astuce, je parle! Bordel! Je disais du coup, vous n'aurez jamais 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes en vous lançant sur Twitch. Jamais, je vous dis honnêtement. C'est-à-dire que vous avez autant de chance sur ça que d'être le seul être humain à pouvoir respirer sur la Lune. Ça n'arrivera pas. Si jamais vous voulez faire de la création de contenu, etc., une carrière, le truc à faire selon moi, du moins ce que j'ai fait, c'est de créer du contenu, en fait. C'est juste, tu crées du contenu, vidéo. Le réseau actuel, c'est TikTok. À un moment, ça a été Insta. À un moment, ça a été Vine pour les plus anciens. Vous prenez le réseau actuel et vous faites un truc que vous aimez et que vous regarderiez, c'est le plus important. Vous faites un contenu que vous regarderiez. Parce que faire du contenu dans le but que les gens aiment, dans le but que je sais pas quoi, au meilleur des cas, ça marche un peu et ça s'essouffle vite. Au pire des cas, vous tombez en dépression. Ne faites pas ça, les gars. Vraiment. Ne faites jamais un truc dans l'objectif d'être aimé, dans l'objectif de je sais pas quoi, ça ne sert à rien. Il y aura des gens qui vous aiment pas parce que vous êtes gentils, les gars. Donc à partir de là, oubliez le fait de vouloir vous faire aimer, ça ne sert à rien, les gars. Il y aura toujours des gens qui vous aimeront pas. Toujours. Quoi que vous fassiez, vous pourrez être un ange irréprochable, un saint. Des gens vous aimeront pas parce que vous êtes un ange et que vous êtes irréprochable et que vous êtes un saint. Je parle pas d'un ibar, je parle d'un saint. C'est, donc oubliez l'idée déjà de vous faire aimer tout le monde ou je sais pas quoi. Oh, c'est con ça! Ya estoy hasta la puta madre, banda, tantos pinches idiomas y la gente no más entiende a putazos. Qu'est-ce que c'est de la merde, gros? Bonjour, ça va. Le gars il court devant lui, gros! Je ne cherche pas Henri, je cherche Joël! Il est où, Joël? Putain, je lui fais des nouvelles coupes! Fils de pute! Putain, mais toi? Fouille le bâtiment. Gros, c'est un truc de demeurer, hein. Casse-toi! Putain de débile! Qui court partout! Allez! C'est l'heure d'y aller. Bah je sais, mais je suis en dessous de toi! Aide-moi! Ça va, quel... Ça va? Oh, elle est trop chou! Regarde comment elle sourit! Ah oh, Michel, te couille! Fais-moi descendre! Regarde. Oh, t'es trop chou! Merci. Vous avez pas faim, vous? Eh bah, mange des morts! Ok. Moi, j'ai trop aimé. Oh, trop aimé. Oh, le bâtard! Je vais te retrouver, connard. Tu vas rien retrouver du tout, je vais te baiser tes morts! Les enfants! Non! Comment je rate ça? Putain! C'est quoi le point commun? Tu chaises bancale et toi? Espèce de connard! Oh putain de bordel d'enculé de sa race! J'ai un tout qui se gag. Un tout qui se gag. T'es mal à la taille du sgeg. Il est tout qui se gag. Alors je sais pas vous, mais je trouve que pour cette phase, on l'a. Parle pas trop vite, frérot. J'allais dire, je trouve qu'on l'a vachement bien géré. Moi je suis dans le micro painess. Il est comme semi d'un fadeless. Putain, c'est quoi cette maison vide? T'es mal à la taille de mon sgeg. Un peu comme celle de Greg. Greg, c'est un mec que je connais, dont vous avez pas la ref. Ouais! Oui! Tony! Oh putain! Enculé de chauve! Vas-y, Tommy, vas-y, monte! Tommy, putain, tu sers à rien, bordel! Tommy! Monte! Putain, là, ta tête, on dirait une tube! Sors ta tête. Vas-y, fais-le. Monsieur. Putain, ton crâne, là! On dirait Pac! TG! Nickel. Ton pote derrière, c'est pareil. La vie, c'est dur, hein. Mort d'un coup de boule. Tire. Non, c'est pas grave. Oui, tire sur la perceuse, t'as raison, elle va te tuer. Mais arrête de tirer à côté, abruti de merde. J'ai un tout qui se gag. Un tout qui se gag. T'es mal à la taille du sgeg. Il est tout petit ce gag. Non mais Tommy, t'es vraiment un enculé, toi. Tommy, allez! Gros, comment tu rates ça?
Mais Tommy, mais putain, mais gros, mais tu me fais perdre patience! Tommy, s'il te plaît, concentre-toi et mets une balle, vas-y! Ouais! Il a perdu un bras? Ouais! Bien joué, Tommy! Bien joué, mes chaînes de couilles! Oh là là, Calvissiman, il est en train de me gonfler, hein! On va pas y arriver, hein! Tu m'emmerdes, tu sers tout le temps à rien, calme-toi. Toi qui dis manie tout. On rêve, sors ta tête. Putain, quel connard. Allez, allez Joël, Tommy. Ils se regardent, ils se regardent. Vas-y, vas-y Tommy, montre-nous. Montre-nous. Vas-y Tommy, vas-y. Vas-y. Putain, quelle patience. Allez. Oh putain gros, comment tu rates ça? Tommy. Mais bordel. Brûle, sale con. Mais reste à couvert, connard! Merci. Je vais t'allumer! Encore! Mais il est chiant, ces Molotov! Maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy! Je suis pas elle, tu sais. Quoi? J'ai pas fait exprès. Je reste avec Durillon. C'est pas. Oh, elle l'appelle Durillon! Oh, trop mignon, putain! Oh, elle me suit! Je vais rester à pied. Yannick fait du cheval, mec. Regarde! Ah, regarde, il fait du cheval, mec! Ah putain, je suis nié, gros, ça m'insupporte! Qu'est-ce que vous faites, les gars? Qu'est-ce que. Waouh! 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 Oh, comment je m'emballe, coup! Oh! Faudrait dans l'idéal que je chope lui. Mais je sais pas si je peux, ah, vite le voir. Nique ta mère! Viens là! Arrête de faire des tours, gros con! Putain d'abruti de merde! Ouais, c'est la première fois! Bah, je m'en branle! Bon, Ellie, je t'aime bien. Lui dis pas va-t'en, s'il te plaît, Joël. Allez, sois gentil, lui dis pas ça. Va-t'en. Va te faire enculer, connard! Regarde, elle tient mes popoches! Oh, oh. Oh merde! Oh putain, je l'ai pas vu du tout! Il a plus de balles! Elle va te faire enculer! Et BAM! C'est ciao! Hé, hey, petite, ça va bien? Ça va? Hé! Hey. Venez, soulevez-moi. FBI, open up. Ça c'est relou. Nicolas. Faire. Pas de bras, pas de chocolat. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Les convaincre de quoi? Que tu peux vivre ici. Qui voudrait vivre ici? Tu as un cœur. Ta gueule. Tu es loyal. Ta gueule. Tu es spécial. Ta gueule fois 3. Ah, j'ai tellement envie de te rentrer ma bite dans le cul! C'est quoi cette merde? C'est moi. C'est impossible! Ça m'a l'air vachement possible à moi! Il a dit voilà! Alors, on est tag! Qu'est-ce qui me fait ce putain de légume? Ben voyons. Tu pues la merde! T'es nul! Accouché par le cul! Ta gueule! Rends-toi tout de suite! Ta mort sera rapide. Va te faire enculer, sale con! Putain, j'ai l'impression que tu me surprends sans cesse. Je t'encule, connard! Moi, ce qui m'avait freiné, les gars, à regarder la série The Last of Us, c'était le choix des acteurs. Vraiment? J'aurais pas choisi elle pour Ellie! Vraiment pas! Vraiment pas! Mais vraiment pas! Vraiment pas elle! C'est-à-dire que. Non! 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 Oui! Précipitate. The time has come for Daniel second faster than light test flight. This time the mission is not exploration, but infiltration. This time, virgule, Daniela is going to. Their payload, a 20 teraton anti-carbon bomb. Their crew, 8 of the most capable, suicidal and dangerous. Je vois pas la suite parce qu'il y a ton doigt de fils de pute. And woman, sûrement men. Of the Last Watch, their mission, the mission of the Traveler of World, je pense c'est Annihilation, yeah yeah. Maria me l'a montré et je l'ai volé. J'espère que tu m'en veux pas. Ah, oh, c'est horrible, putain. Ah là là, ça doit être dur. Comme ma queue. C'est la grosse pitate du on donne des stars le penalty, t'es mort, ta gueule! Dis-lui le petit dialogue, trop choupinou, allez, dis-le!
Fais bien attention. Oui. Ça a l'air assez profond. Oui, oui. Oh putain! Voilà ce qu'on fera quand on aura fini. Quoi? Faire. They said with the failure of their mission, Daniela and James choose to make the ultimate sacrifice for humanity. Flying the ship and the anti-carbon bomb on it, straight into a neutron star. The resulting explosion was the single most significant astronomical event since the formation of the galaxy, destroying the Traveler fleet, their homeworld, and endless... Ton doigt, connard! Other worlds and star systems. But will his sacrifice of two humanity's greatest heroes be enough break for Traveler's even grip? Point d'interrogation. Vas-y, monte. Ok. Allez, vas-y! Vole, papillon, vole! Non, la pauvre Elsie! Quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Mais je t'emmerde, connasse! Je la connais depuis qu'elle est née. Je m'en branle! J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Je t'encule! Pourquoi tu les laisses faire ça? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Je m'en bats les couilles! Par le plus grand des hasards, t'aurais pas une petite soif! Lui la chier. Rectuma, Sermanas! C'est quoi cette sucette à la bite? C'est quoi cette merde? Oh my god, gros, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, au laboratoire, merci hospital, on a des plugs anal sur mesure pour nos patients. Ils sont vraiment très efficaces. On met un petit liquide dedans qui leur permet d'avoir des orgasmes à volonté. C'est comme à tous ces prostatiques, mais en mieux! Heureusement qu'on est là, nous les scientifiques, qui faisons 1000 ans d'études pour développer des plugs anal orange qu'on peut se caler dans le cul! Il est par ici! Non. 1, 2, 3, t'es mort! Pas de bras, pas de chocolat! Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, ça va? Je te laisse, je reviens. Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir en dépend, pensez aux vies qu'on va sauver. Oh mon dieu, tu es devenue une femme! Les gars, le jour où je suis daron, je vais mal vivre le fait que ma fille grandisse. D'accord. Oh là là, mon dieu, mais elle grandit. Et à la fin, elle te fait... Je t'emmerde, papa, tu me fais chier! Je vais être avec Brian! Parce que lui, il m'aime! Même s'il fume des pétards depuis qu'il a 12 ans et qu'il a pas de travail! Je l'aime! C'est l'homme de ma vie! Papa, t'avais raison, Brian, c'est un connard! Ah, c'est tellement triste! S'il te plaît! Viens regarder Grey's Anatomy! S'il te plaît, papa! Deux semaines plus tard. Oh, papa! T'es rencontré Racid! Oh, il a une super belle BMW! Elle est trop jolie! Il me dit qu'il a un business, mais il veut pas me dire dans quoi! Mais c'est sûr qu'il a plein d'argent et du coup, il a une situation stable, on va s'en sortir! Veux dire, on est. Oh, une BD! Veux dire, on est pas mal si Racid il a une situation stable quand même! Allez, papa! Laisse-moi être avec Racid! Trois semaines plus tard. Papa! Il m'a trompé avec Daenerys! Je savais que c'était une pute, de toute façon! Du coup, je me suis mis à boire un fumée de clope! Oh! J'ai raté mes études sup! Je me suis pas inscrit à la fac! Putain! Pourquoi? Trois semaines plus tard. Papa! T'as rencontré François! Bah, lui, c'est le bon Françouillard, là, tu seras content, hein! Oh, même Mamie Racine sera contente, elle sera ravie! Ah oui! Ah oui, il a un beau travail, bon, il a 1008 nets, hein, c'est pas un risque! Mais il fait des trucs de sa vie, quoi, c'est pas un gros branlon de 2000! Eh oui! Le seul problème, c'est que François est une toute petite bite! Contrairement à Rachid et Brian! Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner voir Rachid! Évidemment! Il a un avenir rayonnant! Et me voici François juste parce qu'il est une petite tub! Hein? Ah oui, parce que Racine, il me baisse comme si j'étais une super sportive! Avec François, je suis en Ford Multipla! Et avec Racine, je suis une Ford Mustang GT! Oh, nique ta mère! Okay. Oh! Dans sa mâchoire, elle est nulle, gros! Et grogne! Amour! Attends, mais il y avait vraiment un souci avec la mâchoire en fait, frérot! Il y avait vraiment la mâchoire déformée, ils ont raté l'animation du masque, genre! Raour? Non, mais what the fuck! Fais-moi peur! Non, mais frérot, tu concentres pas ton ki, tu fais juste Raour! Je le kill! NON! Yes! La déesse des briques!
Les vitres de la mienne étaient plus solides. Oh la mauvaise foi comme ça. Bon, c'est l'heure de la question. Elle a dit que ta mère était une pute. Ah, bingo. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Bah tu dois faire flouk et après faire flic. Et tu te le fous dans le cul. Un affrontement, je me suis rendu compte. NON! Putain de merde! Oh là là, mec, je vais me storytime le fait d'up! NON! Eh bah mange des morts. Pardon. De quoi? Faire. Vas-y, vas-y, escalade. Méchante. Quoi? What? Non mais. Mais. Mais allô sinon? Allô? Allô? Le jeu? Oh méchante tarte quand même! Et l'option 3. Désolé. Seulement moi. Peu d'amis, trop de menteurs. Et trop peu d'années devant moi. Le temps est un bien trop précieux qu'on consacre souvent à des futilités. Pardon si je ne t'écoute pas. Pardon si je ne t'écoute plus.